Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour madame, combien ça coûte les masques? What? 70 euros pour les masques? C'était très cher. Toi, on pas cher? Non? D'accord. Est-ce que je peux payer avec carte de crédit? Oui? Oh, la voix. Merci madame, bonne journée. Je l'aime beaucoup. Bonjour, je m'appelle Lamelekon Olubaila, j'ai 25 ans, je viens du Nigeria, je suis étudiant en France, dans le cadre de la Bourse Erasmus Mundus. Bonjour, septième jour de pratique du français. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma famille. J'ai deux frères et elle est ma mère. Et le nom s'appelle Madame Folayemi et Monsieur Victor et Monsieur Bolaon. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et ceci est de mon niveau français il y a 2 mois, novembre de l'année dernière. Et je suis en France depuis 6 mois maintenant. Et en général, je pense que je suis un peu mieux maintenant. Par exemple, je peux parler un peu au caissier dans les magasins et les compagnons. Et je peux parler aussi les coiffeurs du salon des coiffeurs et pour mes frères coupent les cheveux. Et jusqu'à présent, j'apprécie mon expérience en France. Je m'appelle Lamelekon Olubaila, j'ai 25 ans, je viens du Nigeria, je suis étudiant en France dans le cadre la Bourse Erasmus Mundus. Je suis arrivé en France en août. Je suis ici depuis environ 3 mois. Jusqu'à présent, j'apprécie la culture française et j'adore mon expérience ici. J'ai deux frères qui s'appellent Victor et Blanc. Je les aime beaucoup. J'ai l'intention de continuer à faire cependant 30 jours. Merci pour vous écouter et bonne journée. Aujourd'hui, je vais parler ma jeune à la université. Aujourd'hui, j'ai eu trois cours aujourd'hui avec les cours de français comme dernier. Nous avons entendu parler à la bibliothèque aussi. Nous avons appris à poser des questions dans la bibliothèque. Par exemple, où se trouvent des livres des ingénieurs et pendant combien de temps puis j'ai imputé un livre. Enfin, nous avons visité à la bibliothèque.
J'ai vraiment apprécié ma journée aujourd'hui. Et toi, merci pour vous écouter et bonne nuit. Toi, aujourd'hui, je suis très fatigué. J'ai eu 4 cours à l'université aujourd'hui. Et c'était très difficile. Je vous juste reposer et étudier plus tard. Bonjour, aujourd'hui je vais parler de ma journée. Je suis réveillé à 12h30 et j'ai étudié pour 4h et je me douche et je branche mes dents et je prends mon petit déjeuner et je prends mon vélo à la fac. J'ai 3 cours aujourd'hui et je suis rentré à mon maison à 19h et maintenant je vous repose et j'étudie plus tard. Bonjour mes amis, joie 6. Aujourd'hui j'ai dit merci pour mon vie, et pour ma famille, et pour mes amis. Et je suis content pour je suis maintenant. Je suis sûr que tout ira bien à la fin. Merci pour vos attentions et à bientôt. Au revoir. Bonjour. 7e jour de pratique du français. Aujourd'hui, je vous parle de ma famille. J'ai 2 frères et elle est ma mère. Et le nom s'appelle Madame Folayemi et Monsieur Victor et Monsieur Bolaon. Je les aime beaucoup et merci pour vos attentions. Bonjour Monsieur, il y a un magasin près d'ici? Oui? Oh, allez tout droit, tournez à gauche, tournez à droite. Oh, merci Monsieur, bonne journée. Bonjour Madame, combien ça coûte les masques? What? 70 euros pour les masques? C'était très cher. Tu as un pas cher? Non? D'accord. Est-ce que je peux payer avec carte de crédit? Oui? Oh, la voix. Merci madame, bonne journée et au revoir, à bientôt. 10e jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vacances en Paris il y a 2 semaines. J'ai resté 2 jours. J'ai voyagé avec 6 de mes amis. J'ai visité la Tour Eiffel et la Muse du Louvre. Et j'adore mon expérience ici. Ce sera tout pour aujourd'hui. Jour 11. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous avons eu une journée libre à cause de la célébration de l'armistice. J'ai utilisé ce temps pour travailler sur mes devoirs. Et dimanche, c'est vendredi et j'ai 2 cours. Maintenant, je suis très fatigué. Et au revoir, mes amis. À bientôt. Rendez-vous avec vous pour mon finaliser l'inscription en Master 1. Oui, pour finaliser mon inscription en Master 1. Okay. Aussi,
Je voudrais savoir les documents doit apporter. Aussi, je voudrais savoir quels sont donc quel QULS sont voilà. Okay. Quels sont les documents? Les documents doit apporter. À apporter. To bring. À apporter. Quels sont les documents à apporter? Oui, très bien. Merci pour vos temps. Sincères salutations. Oui, donc, alors, vous pouvez dire soit merci par avance. Thanks in advance. Voilà, merci par avance. Donc, merci par avance. Donc, merci, M-E-R-C-I, espace, par. Vous arrivez mieux à le prononcer. Par exemple, dites Non, il y a plus de différence. Essayez voir. Un peu. Oui, mais là vous l'avez. Un peu. Oui. Donc là, c'est le même son que peu. Je les aime beaucoup. C'est pas